on dénombre 5 couches de gaz différents. Du sol à l'espace, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Du sol à 16 km d'altitude, on retrouve la troposphère. Composée d'azote et d'oxygène, cette partie de l'atmosphère nous permet de respirer. La troposphère est chauffée par le sol. La température et la pression décroissent donc en fonction de l'altitude. Cette zone dans laquelle volent les avions de ligne est la plus importante pour le météorologue. C'est ici que se forment les dépressions et les anticyclones responsables du temps qu'il fait. Au-delà de 16 km, notre vaisseau atteint la stratosphère. La température qui était à moins 60 degrés Celsius en quittant la troposphère commence à augmenter pour aller jusqu'à 0 degrés Celsius. La stratosphère accueille la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets nocifs. Ce mécanisme produit de la chaleur et rend possible la vie sur Terre. Au-dessus de la stratosphère, entre 50 et 90 km d'altitude, se situe la mésosphère. À cet étage, les molécules d'oxygène et d'ozone se font de plus en plus rares. La température chute fortement, jusqu'à moins 80 degrés Celsius. La mésosphère est le bouclier de la Terre. Lorsqu'il traverse cette couche, les objets stellaires, comme les météorites, sont désintégrés. À 100 km, voici la thermosphère. La pression est si faible que notre baromètre a du mal à l'enregistrer. Les rayons du soleil nous parviennent directement et la température varie de 300 degrés Celsius à 1600 degrés Celsius selon l'activité solaire. Mais il y a si peu de molécules d'air que si un astronaute plaçait sa main dans la thermosphère, il n'aurait pas une sensation de chaleur. Entre 350 et 5000 km se trouve l'extrême limite de l'atmosphère, l'exosphère. C'est dans cette zone que la plupart des satellites sont placés en orbite. À cette altitude, il ne reste que quelques molécules d'hydrogène mélangées au vide de l'espace. À 5000 km, notre vaisseau a atteint les confins de notre atmosphère.